okay. Yeah, it's I think the start of my season is okay. I'm happy with it. I feel a lot of confidence in what I'm doing. So I think that's always for me the first thing. When I feel the confidence, it's a lot more easy. And this year I felt it directly with the coach and all the players around me. So I think yeah, that's the key. Il dit que il a commencé avec beaucoup de confiance et ainsi qu'avec le coach et les joueurs et que pour lui c'est la clé de la réussite. Quel est son record sur une saison de buts et de passes et est-ce qu'il s'est fixé un objectif pour la saison en cours? My best season was with FC Eindhoven. I had 13 assists and 10 goals. So it's hard to because the level in this league is higher than in the league in Holland second league. But of course, it's something I look up to. But for me, I don't put stats. I just want to win games. It's most important. Donc ma meilleure saison était de 13 passes décisives et 10 buts. Ça va être difficile à battre parce que le niveau en Ligue 2 est plus élevé qu'en Eredivisie. Mais bon, j'accorde pas beaucoup d'importance aux statistiques. Pour moi, c'est de gagner les matchs, c'est le plus important. No, it's not Eredivisie, yeah. It's a second league. Oh, second league. Et c'était avec Eindhoven. Ouais. Ouais. Deuxième ligue hollandaise. L'année dernière, il avait déjà une feuille de stats intéressante. Comment il explique sa progression assez conséquente de la saison dernière à cette année? Yeah, I understand. Yeah, it's hard to say that it's this what changed my game and I play better than last year. Last year I had also some good games and some moments where I feel very good, but I don't know. It's just also last year my wife was pregnant and then you were a little bit worried about everything, but now my baby is here and everything is very good with her and with the mother, so I think that's also very important, and I'm very happy with the situation now with the club, with my family and everything, so that's, yeah, I think that's the key. Donc difficile à identifier pourquoi cette année ça va mieux. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais des bons matchs comme des mauvais. Je pense que l'année dernière, ma femme étant enceinte, il y avait des choses que je me préoccupais hors du terrain. Mais maintenant que le bébé est là, la situation, je suis très content de la situation avec ma famille et avec le club. Le fait qu'il ait été désigné tireur numéro 1, pénalty aussi, c'est une marque de confiance supplémentaire du coach? Yes, I think it's me or Stijn who need to take the penalties. I'm also very confident when Stijn take the penalties, but this year Stijn was not playing the first game and the coach say that I was number one, and yeah, what I say for me is not a big choice, for Stijn also not. Like, we know from each other we have good penalties, and yeah, we just need to score all of them. Donc c'est moi ou Stijn, en effet, mais j'ai confiance en lui. C'est vrai que cette année, pour le premier match, Stijn n'a pas joué, donc le coach m'a désigné tireur. Mais le plus important, c'est qu'on mette la balle au fond. Bronco, you used to play with a lot of long pass and long transversal pass with a great efficiency. Where did you learn to play like that? And it's like your signature, your football signature, to have this kind of long pass? Yeah, it's just my type of play. I'm always playing like this, and they also learned me at the clubs I play, because I have the pass to do it, and you can switch the game fast. And from the start of the season, directly the coach said to me, like, I need to use it, because we have also now Mikel and who can make the runs, and we have also Ngumu very fast in the depth. So yeah, it's just my identity of playing, but I need to don't do it always. I need to also find a solution between the lines,
sometimes I think I can play Bresch more because he's very important player also for us, and I want to give him more balls. But yeah, I need to switch it up. It's also a kind of aesthetic football. So you enjoy when you see that all your passes are efficient. Yeah, of course. This is my type of play. Every pass needs to be good, and so that's what I'm concentrating about. It's my quality, so everything needs to be good. So, alors, oui, c'est mon style de play. Là où j'ai joué, on m'a appris à faire ça. Au début de l'année, de la saison, le coach ici m'a dit qu'il fallait que j'utilise, avec notamment Mikel et Ngumu qui ont de la vitesse. C'est mon identité de jeu, je dois l'utiliser des fois, mais pas tout le temps, parce que je devrais donner la balle plus souvent à Brecht, c'est un très bon joueur. Mais bon, c'est vrai que je me concentre sur mes passes, parce que toutes les passes peuvent être bonnes. Est-ce que tu peux revenir un peu sur son coup franc de lundi soir? C'est-à-dire, est-ce que d'emblée ici qu'il va frapper, qu'il nous raconte un peu? Et après, est-ce qu'il s'inspire de tireurs de coups francs célèbres comme Platini, comme Ronaldo, et est-ce qu'il travaille beaucoup sa qualité de pied sur coups francs à l'entraînement? Bon, j'ai fait un package. Okay. I understand. So the free kick on Monday. Do you know that you're going to shoot? And if so, like what is your what are you thinking? Your thought process? And do you inspire yourself from players like Platini, Ronaldo, like good shooters? Yeah, directly when we get the free kick, I was like, okay, I'm going to shoot this one, second post, try to hit it so hard as I can. And when it's not on goal, somebody can touch it, but it was directly my opinion to shoot. And yeah, I don't look like players like this, like they shoot like this, it's just my own style. I shoot always like this, and yeah, it's not that inspired by it, but they are fantastic players. So, donc, quand j'ai le ballon, je vais tirer au deuxième poteau le plus fort possible. C'est ce que je suis en train de penser. Si je marque bien, si quelqu'un la touche bien aussi. Après, je ne ressemble pas à ces joueurs. Je m'en inspire pas, mais c'est vrai qu'ils sont incroyables comme joueurs. Bronco, this free kick has been named elected as the goal of the week. Are you proud about that? Yeah, of course I'm proud about this, and I think it was also my most beautiful goal in Toulouse so far, so I need to continue scoring goals, and I'm happy that it's a goal of the league, goal of the week. Donc, fier, oui, je pense que c'est mon plus beau but jusqu'à présent au TFC. Mais bon, il faut que je continue, et comme je l'ai dit, je suis content avec ce but. Je reviens un peu sur ses coups francs. Est-ce qu'il faut viser quelle zone du pied il frappe? S'il frappe vraiment à l'intérieur du pied ou s'il le prend un peu coup de pied? Bon, c'est un peu technique, mais ça permet d'y voir un peu plus clair. Et est-ce que vraiment il les travaille beaucoup à l'entraînement? So it's a bit a technical question, but he's asking what zone of the foot you use, and if you work it a lot at practice or not. You train it a lot at practice or not? Yeah, I train it a lot, but we train also with the whole team a lot of free kicks and corners. So it's also a key in our playing style. We score a lot of goals from this, and because we play attacking football, we get a lot of corners and free kicks, and it's difficult to say, like, well, I shoot it. It's a little bit on the knuckle from the inside of the feet, that at the end it goes a little bit like this, not too much, but a little bit. But it's just how I do it always, and it's for me it's normal to shoot like this. Donc, on s'entraîne beaucoup sur les coups francs collectivement. Déjà avec l'équipe, parce qu'on joue un football très offensif, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de coups de pied arrêtés. Pour ce qu'il en est de la technique, il tape avec le bout de l'intérieur du pied, du coup ça prend un certain effet, mais c'est difficile à
à expliquer. Ouais. On voit que par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il il affiche plus de caractère entre guillemets sur le terrain. Je vois que par exemple quand il loupe une transversale, il peste. C'est aussi le fait qu'il ait pris encore plus d'importance dans le jeu cette année, qu'il se sent mieux. Yes, I think it's also it's what I say before. It's everything is about confidence, and when I feel confident in the pitch, I show my character and I show that I'm a winner, I'm competitor. I want to do everything to win, and for now I feel that I have a little bit of a role in the team that I can also say to other people to do it, and that's I feel very proud of this. So, oui, c'est la confiance dont je vous parlais. Je montre le caractère, je suis un gagnant, un compétiteur. Je peux dire à mes coéquipiers et les leader, et les guider. Donc oui, c'est la confiance. Et je suis très fier de ça. And about that, Branko, Denis Genreau came in the role. How did you introduce him in the midfield, and did you give him already some advices for him to have the best entrance he could have, and now to sometimes to begin the games? Yes, the relationship with Denis is very good. He's a very intelligent player. He knows where to run, where to be in the space. And defensively, he works very hard. He always had the most runs of the team. And I like his character. I like how he came in the team with a lot of respect. And yes, for me, it's a top guy and a very good player. And so to speak a lot to him, I think we don't need to do it. He's just he does his work very good, and he gives the team some extra. We have some more choices also in the midfield, and Brecht can play more like attacker, where he's where if Brecht can play like he played against Grenoble, it's amazing. Donc ma relation avec Denis est bonne. C'est un joueur intelligent qui travaille très dur défensivement. J'aime comment il est rentré dans cette équipe avec beaucoup de respect. C'est une bonne personne et un bon joueur, mais pas trop besoin de lui parler. Il travaille, il sait faire son job très bien. Et oui, c'est une option en plus au milieu, ce qui fait qu'on peut rajouter Brecht un peu plus offensivement. Et si on peut avoir Brecht comme contre Grenoble, ça peut être du positif pour nous. Est-ce qu'il a un modèle de joueur, notamment au niveau, j'y reviens, de tireur de coup franc? Do you have a model of player, and he's going back to it, but in terms of free kicks, do you have someone that inspires you in terms of free kicks? Yeah, when I was young, I watched a lot of clips on Del Piero. My dad loves him as a player, and my favorite player a player I really like is Toni Kroos. It's also a player with a very good free kick and a very good vision of football. So that's all the two players where I look up to. It's just my favorite players. Donc jeune, je regardais Del Piero souvent parce que c'était l'un des joueurs préférés de mon père. Mais c'est vrai que pour moi, mon joueur préféré c'est Toni Kroos, avec une bonne vision et des bons coups francs. Quel est le discours du coach à son égard? Il a parlé tout à l'heure des transversales, qu'il ne fallait pas qu'il hésite à renverser le jeu, mais dans le jeu proprement dit, dans la construction de jeu, c'est quoi ces consignes? What are the instructions of the coach in terms of building up the play? That's what he wants to know. Yeah, now I give so much information to the other clubs. No, joke. It's just the coach wants to play fast forward between the lines, and when we have them on one side, try to switch it fast to the other side to get one plus player on the side, and there and there to win
to win more space, to get across or to get combinations in front of the goal. So that's the type of play we want to play, fast forward, and when we lose the ball, fast back. Donc, je donne trop d'informations aux autres clubs, ce qu'ils disaient. mais entre autres, c'est jouer rapidement devant et à la perte du ballon, revenir rapidement. Ensuite, jouer sur un côté et ensuite vite faire les changements, comme vous disiez, là, des transversales, afin de pouvoir faire entrer des centres, des combinaisons devant le but. Branko, did you dig the game against Caen to be now focused on Amiens, and what do you expect about the next game this weekend? I have big expectations from our team, because I think this is the moment we need to show that that we are strong and that we can come back from a defeat, first defeat of the season. It was hard to take. I see a lot of disappointment in the dressing room, but I think we also speak about it today. Now is the time to say to step up and say like this game is ours. So from Amiens, I know they have some very good players. Their number 10, I know him from last season. He was very good, and the winger from Colombia. So they have good players. So we need to be sharp and in good condition to win the game. J'ai beaucoup d'attentes de notre équipe. Je pense que c'est un bon moment là pour montrer qu'on est fort et qu'on peut revenir d'une défaite, la première de l'année. J'ai vu beaucoup de regards et de frustration dans le locker room à la fin du match. Mais bon, dans le vestiaire. Mais bon, il est temps de remonter et de changer ça. Et le prochain club là qu'on joue, et ben, ils ont des bons joueurs. Je les connais de l'an dernier. Dernière question. L'équipe a perdu beaucoup d'individualité cet été. C'est renforcé aussi forcément. Mais on a l'impression que le groupe, c'est plus une équipe cette année, plus forte collectivement. Et que tout le monde a vraiment envie de goûter la Ligue 1. Je suppose que c'est forcément son opinion. So you lost a few players from last year, but they feel like that the team is more of a team this year, and that you guys want to go and taste the League One. What do you think about it? It's difficult to say. Like last year, for me, we were also a team, but we have, like, for example, like Amin, it was a player who was for us so good, and he makes so much decisions in the game, like that sometimes we play too much on him, and this year we play more like a team, like he said also. And I feel also the last year I feel it also, but this year a little bit more like the hunger to go to Liga. Donc il dit c'est difficile à dire, mais c'est vrai que l'an dernier l'équipe était très bonne. On avait Amine par exemple qui était tellement bon qu'on l'utilisait presque trop. Cette année on fait un peu les choses plus en équipe, mais c'est vrai que cette année je ressens un peu plus de faim de vouloir aller en Ligue 1 de la part de toute l'équipe. Et lui justement il a vraiment envie de découvrir le haut niveau français. And do you have that want to discover the French highest level, which is League One? Yeah, of course. It was very disappointing last year to not be there. And I think when I speak for the team, we need to give everything and do everything to go up, because it's big to play League One for players like me and like players who come from other countries. Oui, forcément, très déçu l'an dernier de ne pas y être. Je parle pour l'équipe, on doit tout donner pour parvenir à cet objectif. C'est une chance incroyable pour nous de pouvoir jouer au plus haut niveau français.